Natalia Ziganchina maintenant aux barres asymétriques. Un appareil dans lequel, bien sûr, Svetlana Korkina domine depuis des années. Mais alors, Ziganchina a réalisé une performance assez extraordinaire aux championnats nationaux 2001. Elle a battu Korkina. Et Korkina, en fait, avait chuté. Apparemment, c'est le seul moyen de pouvoir la battre. En tout cas, elle a fait un superbe début de mouvement, enchaînement très très complexe, un lâcher de barre en Ginger. Ici, un franchissement de barre avec demi-tour. Saltoire est attendu entre les barres. Et après son gros programme, la sortie. Oui, Saltoire, hier, pépite chute, voilà. Rien à dire, pas de faute d'exécution, un programme très très complexe et très complet. Juste une petite réserve, cette transition de la barre inférieure à la barre supérieure où elle pose les pieds dessus. Oui, effectivement. Parce qu'il y a de plus heureux. Alors si on chipote. Hein. Lorsque l'on est capable de faire ça dans l'élan, effectivement, regardez ici ce franchissement de barre, franchissement de dorsale avec demi-tour. Markelov. En revanche, énormément de difficultés hein, sur le début du programme. Par contre, le passage de la barre supérieure à la barre inférieure, lui, est excellent.